double échec de l'équipe nationale U17, on n'a pas fait de piston, Roman. Lors de la conférence de presse d'après-match face au Maroc, le sélectionneur national U17 Aresokiré Oman revient sur le double échec de sa bande. Cette dernière a été éliminée de la Cannes mais aussi de la Coupe du Monde U17 après sa lourde défaite face au Lionceau de l'Atlas. Comme tout le monde le sait, la sélection nationale U17 a été éliminée du quart de finale de la Cannes qui se déroule en Algérie. En effet, elle s'est inclinée face au Maroc sur un score sans appel de 3 buts à 0 au stade Amlaoui, à Constantine. Pire encore, sa sortie précoce de la compétition continentale l'a officiellement éliminée de la Coupe du Monde U17. Lors de la conférence de presse d'après match, le sélectionneur national Areski Romane revient sur ce double échec. Je suis vraiment déçu, notamment pour le merveilleux public qui est venu nous soutenir. Des erreurs à ce niveau coûtent très cher vraiment. Je tiens à féliciter le Maroc pour sa qualification. Dira-t-il d'emblée. Roman a saisi l'occasion pour défendre ses choix. À cet effet, il affirme qu'il a retenu les meilleurs Algériens, évoluant en Algérie et à l'étranger, pour la CANU 17. Ce que les gens doivent savoir, c'est qu'on a retenu les meilleurs joueurs pour la CAN U17. On n'a en aucun cas fait de piston. Maintenant, on doit tirer les enseignements de ce double échec. Il y a des nations qui ont beaucoup avancé en matière de formation, c'est ce qu'on a vu lors du tournoi. Les gens doivent aussi savoir qu'on a consenti des efforts pour atteindre nos objectifs. Hélas, ça n'a pas marché. a-t-il ajouté. Quel avenir pour Roman? Après le double échec de la sélection nationale U17, on commence d'or et déjà à spéculer l'avenir d'Arezoki Roman. Ce dernier, répondra, mon avenir? Seul Dieu le sait. Pour le moment, je suis toujours en poste, en attendant de savoir ce que le destin me réserve. Et d'ajouter, je n'ai ménagé aucun effort depuis ma nomination à la tête de la sélection nationale U17. J'ai travaillé de tout cœur, maintenant c'est la Fédération algérienne de football et la DTN de trancher sur mon avenir. Apparemment, le match face au Maroc aurait été le dernier de Romane à la tête des jeunes FENAC. On en saura davantage dans les jours à venir. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.